Que Jorge Lopez qui va pouvoir frapper et tenter de trouver la tête d'un de ses partenaires avec le pied droit. C'est parti au cœur de la défense, la reprise et l'égalisation. Deux buts dans la première demi-heure et cette fois c'est le Polonais Ebis Molarek qui marque son deuxième but lui aussi dans la compétition. L'ancien joueur de Dortmund qui permet à Santander de revenir à égalité un partout après 27 minutes et les 4000 supporters qui ont fait le déplacement depuis le nord du pays qui exultent. Le Racing qui voulait marquer à l'extérieur s'est fait grâce à Smolarek. Un très bon ballon de Jorge Lopez qui a simplement déposé le ballon dans la surface de réparation. Et là, Smolarek qui est complètement isolé à 7 mètres du but, qui place son plat de pied. Il s'est contenté tout simplement de cadrer le ballon. Et qui a mis en difficulté Ustari qui ne peut rien y faire. Ballon très difficile au ras de sol. Et le Polonais, ça va le faire du bien. Hein. Lui qui joue beaucoup mais qui marque très peu.